20 août 2008, expérience 34, intégrer l'ange et le démon. Un aspect important m'empêche de réellement me connecter à la nature jusqu'à présent. J'arrive à concevoir son aspect lumineux et beau, sa générosité, son amour, mais pas son courroux, sa colère et la destruction. Je veux bien me connecter à un arbre ou une fée, par exemple, mais un troll, ça me paraît plus dur. Certains arbres me gênent car leur énergie ne me plaît pas. Il y a clairement un problème à résoudre chez moi. J'ai vécu mon initiation par le toucher. Pascal l'a fait par la vision. La sienne était totalement différente. Dans sa vision, il rencontre sa plus grande peur sous la forme d'un démon qu'il décrit lui-même comme totalement terrifiant. Une espèce d'ombre qui change de forme sans cesse et le pire de ses cauchemars. En fait, il s'agit de son côté obscur. L'archange apparaît à côté de lui et lui dit qu'il doit intégrer le démon. Pour Pascal, les archanges sont des guerriers de lumière armés, alors que ce n'est pas mon cas. Pascal, après différentes difficultés, fait changer plusieurs fois le démon de forme jusqu'à ce qu'il devienne simplement une femme qui fusionne avec lui. Il a eu une grand-mère profondément tyrannique qui a fait office de mère, et elle est clairement le démon pour lui. Nous avons travaillé l'aspect mental de ces choses, mais n'avions jamais pu aborder l'aspect énergétique avant. Or, moi-même, je n'ai pas pu aborder cet aspect. Nous échangeons toujours avec Kadak. Les échanges ne sont pas houleux, mais m'obligent clairement à regarder mes peurs en face. Pour moi, elle est très proche de l'image de la mère tyrannique dans ces échanges. C'est une image que je projette sur elle. Mais disons qu'une fois la surprise passée, je peux gérer. Je suis habituée à affronter mes peurs. Il est étonnant de voir à quel point je suis bien après avoir lu ses mails, pourtant durs pour moi. Il est clair qu'elle transmet énormément d'amour et de compassion. Elle me dit que par mégarde, lors de sa méditation, elle s'est retrouvée reliée à moi, sûrement suite à l'échange houleux de la veille, et qu'elle a eu la surprise de se retrouver face à ma mère. Comme si sa structure énergétique m'englobait. Après différents échanges sur la question, j'en comprends le point suivant. En fait, j'ai toujours eu le côté pervers narcissique destructeur. Cet aspect de moi-même m'a toujours énormément culpabilisé, j'ai donc essayé de le rejeter. Mon travail avec Pascal a inclus ce fait. J'ai toujours été aigrie car je me suis considérée comme quelqu'un de mauvais. J'ai disséqué et étudié mon côté obscur de manière vraiment approfondie en espérant m'en débarrasser. Puis un jour, en séance de neurotraining, la thérapeute m'a dit « Mais vous savez que vous avez également un côté lumineux qu'il faudrait explorer, qui est aussi fort que votre côté obscur, puisqu'il s'agit de la même chose. » Je me suis décidée à explorer mon côté lumineux. Moi qui essayais toujours de dire leurs quatre vérités aux gens, je me suis mis à faire des versions édulcorées de plus en plus soft pour essayer de les aider plutôt que de les détruire. J'ai essayé de communiquer pour aider les autres. J'ai partagé mes techniques, que jusque-là je gardais pour moi de manière bien paranoïaque, etc. Le résultat est que j'ai toujours tenté de séparer deux aspects de moi, le bien et le mal. Or, comment être complet si on rejette un côté de soi-même? Comment faire l'expérience du grand tout si on n'accepte d'être qu'une seule moitié? Comment se relier réellement à la nature si je ne peux accepter son courroux et les esprits de la nature plus noirs qu'il l'incarne? C'est donc Kadak qui me donne la solution. Je dois intégrer cette énergie en moi, mon côté obscur, c'est-à-dire l'image que je me fais de cette énergie, et ainsi elle ne pourra plus me contrôler et je pourrai récupérer cette énergie que je laisse à l'extérieur de moi. Et qui s'exprime hors de tout contrôle par moment, du coup. Elle m'envoie deux tankas. Ils représentent l'émanation de l'énergie d'un maître généré pour subjuguer un démon qui terrorisait un pays. Je choisis immédiatement celle-ci, qui me plaît le plus, en imaginant ce qu'elle m'évoque. Voici la réponse que je lui ai faite. Apparemment, le rouge me plaît plus. Je dirais qu'effectivement, quand il a compris que le démon était en lui, il a pu utiliser son énergie pour la canaliser à faire ce qu'il voulait et non le laisser hors de contrôle, j'imagine. C'est neutre pour moi. Ça ne m'inspire pas d'émotion réellement, mais j'ai l'impression qu'avec une forme énergétique comme celle-là,
Je n'aurai plus peur d'aucun démon, sûrement parce que je saurai qu'il est moi et que son énergie m'appartient. Réponse de Kadak. Je m'en doutais vu qu'il est plus feu. En fait, ces deux divinités n'étaient pas des démons à la base, mais il y en a d'autres qui l'étaient, comme Mahakala. En tout cas, pour nous, ça marche comme tu dis. Si tu regardes le démon en face, à l'intérieur de toi, tu vois qu'il est vide, qu'il n'a pas de raison de persister. Et donc il disparaît et l'énergie est réintégrée. En fait, il faut arriver à percevoir que leur essence est la compassion, sinon c'est là qu'il y a des déviations. Si l'énergie est perçue comme neutre, on fait du mal avec, car c'est la compassion qui fait que son effet est correct. Par exemple, si tu gueules sur quelqu'un avec une opinion neutre, ça peut lui faire du tort. Si tu gueules avec une vraie compassion, elle se transmet du fait qu'on est tous liés à un certain niveau, et le nœud de la personne peut se défaire. Donc tu as raison de dire que seul l'amour guérit, et tu ne dois surtout pas penser autre chose. Il faut simplement comprendre que cet amour peut extérieurement prendre des formes variées. C'est super important que tu ne te gourres pas à ce sujet, car c'est l'erreur de plein de pratiquants qui s'autorisent à faire des pratiques courroucées sur leurs petits camarades sous prétexte que c'est pour leur bien, mais qui en fait sont dans l'indifférence et ne ressentent pas la souffrance de l'autre. Je te mets ma tanka de Tara pour faire bonne mesure avec les autres. C'est vraiment l'aspect de la bonne mère, la générosité. Un grand merci à Kadak d'avoir partagé sa sagesse. Suite à cet échange, j'intègre l'image de ma mère à l'intérieur de moi. Au début, c'est très dur parce que mon énergie se transforme et devient exactement celle que j'avais sentie m'agresser lors du premier échange avec Kadak. C'est celle de mon propre démon. Je médite sur le nombril pour la digérer et la transformer en moi. À la fin de la soirée, il semble que ça aille mieux. Je vais quand même continuer à méditer sur le feu et intégrer cette image. Cet aspect est extrêmement important, car sans lui, il n'est plus possible d'avancer, et c'est bien ce que voulait dire l'archange quand il parlait de travailler avec le feu. C'est la source de la puissance. Si nous l'intégrons, elle peut être contrôlée et ne servir que la compassion. Si nous la laissons dehors, c'est hors de contrôle, et un jour ou l'autre, nous sommes dominés par notre côté obscur. Bien sûr, la compassion reste la clé. Je vais méditer sur ce tanka à l'intérieur de moi, jusqu'à ce que j'éprouve de la compassion. Concernant l'agapé-thérapie et les anges, c'est une très bonne thérapie, surtout avec notre thérapeute qui est très bien. Mais appeler nous-mêmes tout le temps des anges n'est pas notre voie à moi et Pascal. Les anges sont très pratiques, ils nous aident vraiment, mais doit-on se cacher toujours derrière eux? La réponse est clairement non pour nous deux. Il est temps de trouver notre propre pouvoir. Et pour nous, c'est le pouvoir avec Dieu, ce qui veut dire qu'il intègre tous ses aspects. Je crois que j'ai trouvé mon nouveau fond d'écran, moi. PS, suite à une réflexion particulièrement bien portée, j'ajoute un petit correctif. Le terme juste aurait été, je pense, à apprendre à grandir et nous créer seuls et en conscience. Le fait que j'ai utilisé le pouvoir vient clairement du fait que je suis encore en train d'intégrer mon démon. Il m'influence puisque c'est un credo. Son credo. De toute façon, tant que je n'éprouverai pas de la compassion en voyant cette image, il ne sera pas intégré.